On a reçu une invitation assez particulière. On a déjà tous visité des salons, salon de l'habitation, salon du mariage. Faut se déplacer, faut aller voir, faut aller faire la file, faut... Des fois, c'est lourd comme ambiance. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant. On a reçu une invitation pour un salon virtuel, le salon virtuel Mon Bébé. Et donc, on n'a pas besoin de se déplacer, ça se fait directement par Internet. T'es allé voir tantôt, on est allé voir, on dirait que c'est un petit peu le décor des Sims. Oui, c'est... Le jeu vidéo. Oui, tu cliques sur les personnages, tu cliques sur les liens, tu vas aller voir les dépliants virtuels. Et pour en parler, on reçoit... On reçoit l'organisateur du salon, Nadir Popat, qui est en ligne. Comment ça va, Monsieur Popat? Ça va bien, merci. Donc, ce salon, est-ce que c'est courant? Vous faites des salons virtuels comme ça? Alors, les salons virtuels, c'est assez populaire en Europe et aux États-Unis. Ça arrive au Canada, donc c'est vraiment tout nouveau. C'est le premier salon virtuel pour la famille au Canada. Les gens trouvent pas ça déstabilisant, la première visite? Non, au contraire, c'est assez facile d'accès. C'est très facile pour naviguer. Donc, tout se passe sur Internet. Une journée enneigée, par exemple, on peut accéder facilement. Pas de problème de circulation. Mais décrivez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, arrivé sur le site Internet, le visiteur va se connecter à partir de son réseau social, Facebook, Twitter, LinkedIn, ou alors remplir un petit formulaire pour avoir ses accès. Puis il va arriver sur un hall d'exposition où il va y avoir plusieurs exposants. Donc l'exposant propose des produits ou des services. Donc là, c'est spécialisé pour la petite enfance. Et le visiteur va pouvoir accéder directement à un site de vente en ligne, par exemple, s'il veut acheter des produits ou avoir toute l'information que l'exposant propose. Ça fait bizarre de dire ça, mais quelle sorte d'exposants qui sont sur place virtuellement? Oui, alors on va retrouver, par exemple, il y a un hall pour les produits québécois avec des exposants qui proposent des meubles, de la literie, de la décoration. On a des boutiques spécialisées, des produits de santé, des informations également pour la naissance, pour l'accouchement, l'allaitement et plusieurs produits spécialisés comme les poussettes, des vêtements pour enfants. OK, parfait. Puis il y a aussi des informations sur la santé aussi, si je crois. Également, oui, effectivement. Puis on a une salle de conférence où il va y avoir plusieurs conférences en direct, sur la santé, sur du contenu pédagogique pour les enfants, sur l'allaitement également. Et là, moi, je me promène, par exemple, sur le site virtuel. J'arrive devant un kiosque, les produits m'intéressent. J'ai des questions à poser. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est intéressant avec le salon virtuel, c'est qu'on peut parler directement à l'exposant s'il est connecté. Donc, lui est derrière son ordinateur, derrière sa caméra, on va le voir. On va pouvoir lui poser des questions avec le micro de l'ordinateur ou par messagerie instantanée, puis on a une réponse en direct. Étant donné que c'est ouvert 24 heures sur 24, si l'exposant n'est pas connecté, on lui laisse un petit message directement, puis il va nous répondre dans les 24 heures par courriel. Et si on veut s'inscrire, comment on fait? Alors, on va sur le www.salonvirtuelmonbébé.com. Et on a un lien pour s'inscrire en direct. Et c'est gratuit, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait gratuit pour le visiteur. Parfait. Est-ce qu'on devrait voir d'autres salons du genre faire leur apparition au Québec dans les prochaines années? Alors oui, on espère. La compagnie Virtu Anima va se lancer sur plusieurs salons virtuels. Donc nous, on s'occupe d'aider les organisateurs aussi d'événements à organiser le pendant virtuel. On a en Europe beaucoup de salons hybrides, donc qui sont virtuels et réels en même temps, parce que c'est un parfait complément pour un événement réel également. Parfait. Je voyais une section salle de conférence aussi. Est-ce que c'est un peu le même concept que les exposants? C'est des conférences qui sont en direct ou c'est des conférences qui sont déjà enregistrées? Alors, vous avez les deux volets. Donc, on a des conférences en direct. Donc, le conférencier, pareil, est derrière sa caméra web et va pouvoir donner sa conférence à une heure précise. Ou les conférences qui sont déjà enregistrées, on va en avoir une vingtaine, sur plusieurs sujets. Donc, on peut consulter 24 heures sur 24 pendant toute la durée du salon, donc du 28 mars au 12 avril 2013. Merci beaucoup, Monsieur Popat. Monsieur Popat, qui est organisateur du salon Mon Bébé, qui est organisé par l'entreprise Virtu Anima. Merci. Bonne fin de journée. C'est. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Pour le public, c'est pas ouvert avant le 28 mars, mais c'est un beau produit. Salon virtuel monbébé.com. Brigitte Boisjoli.